Partout où je vais, j'ai l'impression qu'ils m'observent. Qui ? Des gens ? Des enfants ? Canard. Oui, oui. Ah ! Vous savez que rêver de canard, c'est souvent symbole d'une vie sexuelle débridée. Ça va bien dans votre vie amoureuse en ce moment ? Bof. Ah ! Oui ! C'est de là. Vous semblez atteint d'anatidéaphobie. C'est la peur que quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. Ça peut se guérir, docteur. On va tout faire pour. Allez. Si je prenais un café oui, avec mon père, ça serait d'accord. Non, mais dites-moi allez. Oui ou non. Allez, à la semaine prochaine, oui, hein. Oui ou non. Non, mais... Bonjour, Gary. La danse des canards, c'est le tube de demain. Les toilettes. C'est pas vrai. Il y a un bon canard est un canard qui finit dans votre assiette. Mais pour cela, il vous faut d'abord l'attraper pour lui faire la peau. Et quoi de mieux pour l'engraisser que de le piéger avec des petits bouts de pain? Car comme disait Audiard, dans la vie, il faut... Bien. C'est pas vrai. Il faut être plus malin que lui. Vous appelez votre coin-coin, vous faites passer pour une canne. Et quand il est là... En attendant, ça vous fait 162 euros. Je vous fais cadeau du hapo. Et vous savez qui je suis. Donc pas besoin de dire mon prénom. Laissez un message. Alors, mon petit Anatole, hein ? Content que ça aille mieux ? Eh bien, revenez me voir à l'occasion. Mais ne me posez pas de lapin, hein ? Docteur, il va vraiment falloir faire quelque chose pour moi, là, j'en peux plus. Je ne suis pas kiné, mademoiselle. Je suis psy. Oh, mais je peux faire quelque chose pour vous. Quelque chose de rapide, de propre et de court. Ah!